En Estrie, on est chanceux parce qu'on vit dans une région où il y a beaucoup de montagnes, de ruisseaux, et ça abrite beaucoup de salamandres de ruisseaux. En fait, c'est la région du Québec la plus riche en salamandres de ruisseaux. On y retrouve trois espèces. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un ruisseau à la recherche de ces trois espèces. Pour les trouver, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever des pierres en bordure du ruisseau, dans l'eau ou juste au bord. Avec une épuisette, si on voit des salamandres, on va essayer de les capturer. Suivez-moi. Oh! Ouais! Salamandre à deux lignes! La salamandre à deux lignes, c'est vraiment la salamandre la plus commune. En fait, c'est elle qu'on retrouve, c'est la salamandre de ruisseau la plus abondante au Québec, autant en termes de nombre de ruisseaux où on la retrouve qu'en termes de nombre d'individus. C'est une petite espèce, elle ne dépasse pas 10 cm de longueur, rarement, puis elle est très filiforme et mince. Pour la reconnaître, on peut regarder en dessous son ventre, surtout la partie postérieure, en dessous de la queue et en dessous du ventre, c'est de coloration jaune. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Fait que ça, c'est un adulte. C'est vraiment pas une grosse espèce. Je vais la relâcher tout de suite. C'est important, en fait, qu'elle garde son humidité parce que les salamandres de ruisseau, particularité, respirent par la peau. Donc, ils n'ont même pas de poumons. Doivent respirer par la peau qui doit toujours être humide. Une des raisons pour lesquelles ils vont vivre dans les ruisseaux. Les larves de toutes les espèces de salamandres de ruisseaux vivent dans l'eau, c'est-à-dire que les salamandres pondent dans l'eau, il y a des larves qui sortent. C'est des petites salamandres miniatures avec des branchies externes de chaque côté de la tête. C'est avec ça qu'ils vont respirer comme des poissons dans l'eau. Et puis, selon les espèces, ça peut varier en quelques mois à quelques années. Il y a une métamorphose, puis la salamandre devient adulte. Donc, dans le cas de la salamandre à deux lignes, c'est celle qu'on vient de voir, vous avez vu. Pas très une grosse espèce. Dans le cas des deux autres espèces, espérons les trouver, on continue notre quête. Là, ici, la salamandre sombre du Nord. Salamandre sombre du Nord, en fait, c'est une espèce intermédiaire en grosseur. On l'appelle salamandre sombre. Sa coloration est généralement brune, foncée, quoique c'est très, très, très variable. Son ventre est gris uniforme. Il y a souvent une petite ligne pâle entre l'œil et le coin de la bouche, donc c'est un truc pour la reconnaître. Elle est plus large que la salamandre à deux lignes, un peu plus costaude. La salamandre sombre du Nord est vraiment commune dans la région en Estrie. Habituellement, on la retrouve dans les secteurs de ruisseaux qui sont un peu plus vaseux, où on retrouve de la mousse, même dans des coulées d'eau, des secteurs d'eau temporaire, de l'eau de ruissellement ou même des nappes phréatiques qui sortent du sol. À l'occasion, dans les ruisseaux comme ça, plus rocheux, on en retrouve aussi. Mais ce n'est pas son habitat typique. La salamandre sombre du Nord est commune en Estrie, mais dans le Québec, en fait, ça dépend des régions. Elle est vraiment localisée plutôt au sud. Il y en a jusque dans la région de Québec. Il nous reste une troisième espèce de salamandre de ruisseau, mais elle est plus typique à la région de l'Estrie et plus rare. Quand on attrape des salamandres, je vous le disais tantôt, c'est mieux d'avoir une épuisette comme ça parce que, premièrement, c'est difficile à capturer, c'est vigoureux, ça glisse entre les mains. Puis aussi, chez plusieurs espèces, comme la salamandre à deux lignes, la queue peut se casser. Si on la saisit par la queue peut se casser. En fait, c'est un moyen de défense, c'est l'autotomie. La queue va repousser par après. Donc, c'est à éviter. En l'attrapant avec une épuisette, on risque comme ça moins de lui amputer la queue. Ici, de la salamandre poupe aussi, c'est ce que je cherche présentement, évidemment. Non seulement elle est plus grosse que les deux autres espèces qu'on vient de voir, mais en plus, elle est plus rare, est en plus faible densité parce que c'est la prédatrice des autres salamandres. Donc, elle est en haut de la chaîne alimentaire des salamandres. Elle se nourrit de vers d'insectes, mais aussi de salamandres à deux lignes. Donc, je vais essayer de la trouver. Salamandre poupe. Ici, on a un adulte, on le voit bien. Donc, comme je vous disais, là, les branchies externes, c'est visible chez
toutes les larves de salamandre. Elles, il n'y en a pas. Donc, c'est un adulte. Fait, salamandre courte est surtout rosée ou couleur saumon, même si sa couleur varie. Elle est quand même assez grande. Les plus gros individus, c'est presque une vingtaine de centimètres. La queue est un peu aplatie aussi latéralement, donc c'est une salamandre qui est vraiment bien adaptée au milieu aquatique. La salamandre pourpre, on la retrouve surtout dans les ruisseaux comme celui-ci, c'est-à-dire des ruisseaux à eau claire, bien oxygénés. C'est une salamandre qui est plus sensible que les deux espèces précédentes, qui constitue un bon indicateur de qualité de cours d'eau. Et habituellement, c'est dans des ruisseaux situés en milieu forestier, donc des milieux assez intègres quand même. Pour conclure la capsule, je voudrais vous mentionner, si jamais vous pensez aller à la découverte des salamandres de ruisseau, sachez que ça vous prend une épuisette, que la seule espèce que vous pouvez capturer et puis regarder plus proche, c'est la salamandre à deux lignes. Les deux autres sont considérées des espèces rares, mais vous pouvez quand même les regarder. Quand vous déplacez des pierres aussi, essayez de les remettre le plus possible dans leur état initial. Et puis, faites attention, surtout quand vous soulevez des objets, de ne pas écraser une salamandre ou peut-être d'autres animaux en dessous qui s'y cachent. Donc, c'est de soulever délicatement les pierres, regarder. S'il y a un animal, on le tasse, on remet la pierre, on continue. Parce que c'est des animaux qu'on doit chercher. Si on fait simplement regarder, c'est rare qu'on en aperçoive.